Iphigénie de Racine. Clémnestre. Acte 4, scène 4. Vous ne démentez point une race funeste. Oui, vous êtes le sang d'Atrée et de Thieste. Bourreau de votre fille, il ne vous reste enfin que d'en faire à sa mère un horrible festin. Barbare, c'est donc là cet heureux sacrifice que vos soins préparaient avec tant d'artifice. Quoi, l'horreur de souscrire à cet ordre inhumain n'a pas, en le traçant, arrêté votre main? Pourquoi feindre à nos yeux une fausse tristesse? Pensez-vous par des pleurs prouver votre tendresse? Où sont-ils, ces combats que vous avez rendus? Quel flot de sang pour elle avez-vous répandu? Quel débris par l'ici votre résistance? Quel chant couvert de mort me condamne au silence? Voilà par quel témoin il fallait me prouver, cruel, que votre amour a voulu la sauver. Un oracle fatal ordonne qu'elle expire. Un oracle dit-il tout ce qu'il semble dire? Le ciel, le juste ciel, par le meurtre honoré, du sang de l'innocence est-il donc altéré? Si du crime d'Hélène on punit sa famille, faites chercher à Sparte Hermione sa fille. Laissez à Ménélas racheter d'un tel prix sa coupable moitié dont il est trop épris. Mais vous, quelle fureur vous rend de sa victime? Pourquoi vous imposez la peine de son crime? Pourquoi moi-même, enfin, me déchirant le flanc, payer sa folle amour du plus pur de mon sang? Que dis-je, cet objet de tant de jalousie, cette Hélène qui trouble et l'Europe et l'Asie, vous semble-t-elle un prix digne de vos exploits? Combien nos fronts pour elle ont-ils rougi de foi? Avant qu'un nœud fatal l'unît à votre frère, Thésée avait osé l'enlever à son père. Vous savez, et Calchas mille fois vous l'a dit, qu'un hymen clandestin mit ce prince en son lit, et qu'il en eut pour gage une jeune princesse que sa mère a cachée au reste de la Grèce. Mais non, l'amour d'un frère et son honneur blessé sont les moindres des soins dont vous êtes pressé. Cette soif de régner que rien ne peut éteindre, l'orgueil de voir 20 rois vous servir et vous craindre, tous les droits de l'Empire en vos mains confiés, cruel, c'est à ces dieux que vous sacrifiez. Et loin de repousser le coup qu'on vous prépare, vous voulez vous en faire un mérite barbare. Trop jaloux d'un pouvoir qu'on peut vous envier, de votre propre sang, vous courez le payer. Et voulez par ce prix épouvanter l'audace de quiconque vous peut disputer votre place. Est-ce donc être père? Ah, ma raison cède à la cruauté de cette trahison. Un prêtre environné d'une foule cruelle portera sur ma fille une main criminelle, déchirera son sein et d'un œil curieux, son cœur palpitant, consultera les dieux. Et moi, qui l'a menée triomphante, adorée, je m'en retournerai seule et désespérée, je verrai les chemins tout parfumés des fleurs dont sous ses pas on les avait semées. Non, je ne l'aurai point amenée au supplice où vous ferez aux Grecs un double sacrifice. Ni crainte, ni respect ne m'en peut détacher. De mes bras tout sanglants, il faudra l'arracher. Aussi barbare époux qu'impitoyable père, venez, si vous l'osez, la ravir à sa mère. Et vous, rentrez, ma fille, et du moins à mes lois, obéissez encore pour la dernière fois. Voilà, bon, bah, comme tout le monde dans le confinement, bon, j'ai mis un peu de temps à m'y mettre, mais je me suis dit que voilà. Hier, je me suis retrouvée avec mes bouquins de théâtre, ma bibliothèque entière, et je me suis dit que c'était cool de vous partager un texte par jour. Peut-être que ça intéressera personne. Moi, ça me fait plaisir parce que ça me fait redécouvrir des textes que j'ai pas forcément lus depuis longtemps. Voilà, ce monologue de Clytemnestre, c'est un texte qui me plaît beaucoup depuis longtemps, que j'ai appris par cœur. Il y a une bonne paire d'années. Et voilà, ça me fait plaisir de partager des textes avec vous, que vous les connaissiez ou pas. C'est des textes que j'aime et que j'aime lire. Voilà, ça fait super longtemps que j'ai pas joué. C'est rien, c'est ça, ça n'a aucune prétention. Et voilà, c'est juste pour partager avec vous. Avec plaisir de recevoir vos suggestions de textes et d'entendre, enfin de voir d'autres partages. Voilà, voilà. Salut à tous et bon confinement!